J'ai fait beaucoup longtemps de la bande dessinée, mais j'étais pas à l'aise dans le récit. J'aimais bien créer des ambiances, des mondes, mais l'histoire en elle-même me fascinait, donc j'ai abandonné la bande dessinée depuis 10-15 ans pour faire des images dans lesquelles je peux raconter, je peux camper un univers et un monde en soi. Petit à petit, j'ai vu que dans mon travail, j'ai resserré sur l'humain. J'ai édulcoré les décors, j'ai viré les décors, les vêtements. J'ai resserré jusqu'à temps d'arriver même, j'ai viré le corps, j'arrive au visage, pratiquement aux yeux même. Et dans le visage, je crée des mots. Je pense que dans toute ma vie, je me situe entre deux. C'est-à-dire que ma vie personnelle, professionnelle, j'ai du mal à me situer dans un camp ou dans l'autre, donc je suis toujours entre deux, dans un sas, dans un vestibule. Et donc dans mon travail aussi, c'est-à-dire que j'ai toujours été attiré par quelque chose d'un peu brut dans la peinture, j'aurais aimé de la matière, quelque chose, et en même temps d'une espèce de perfection un peu clinique que me donne aujourd'hui le l'outil numérique. Mais avec des apports de matière que j'aime bien dans l'outil numérique, c'est qu'on peut quand même métisser, mixer des choses qui viennent de la Terre, quoi. Même si ça reste une image virtuelle. Je suis sur un projet depuis une dizaine d'années qui s'appelle Mondial TM, Trademark, qui parle du métissage, qui veut raconter le métissage par rapport au monde globalisé. Que le métissage est un produit de la mondialisation, mais quand il est rattrapé par cette globalisation, il devient un produit marchand comme un autre. De ma vie où j'ai fait, j'étais engagé par un éditeur japonais à faire un travail, un manga. L'éditeur m'a invité 2 mois à Tokyo, j'avais 35 ans. Et puis c'était le choc, hein, l'Asie, je connaissais pas vraiment, le Japon notamment. Donc, je suis reparti l'année d'après, 4 mois à Kyoto, en résidence à Villa Kujayama. J'ai travaillé sur mon projet aussi, sur d'autres projets à venir, sur l'image. Avec cette influence d'un pays que je découvrais, qui est exceptionnel, comme le Japon. Très visuel, avec des choses dans tous les sens, aussi bien dans un côté plus traditionnel qu'une ultramodernité. Osaka, par exemple, la ville d'Osaka. Demain n'existe pas, parce que moi j'ai... Je trouve que déjà je ne vis pas assez l'instant présent, donc je m'efforce de toucher le réel un peu plus que ce que je fais, puisque je vis dans l'imaginaire.